Bienvenue dans la terre d'élevage des cyclocastors. J'ai hâte d'explorer ce coin cet après-midi et demain. Là on est en zone pas dense du tout et je viens de descendre du train du TER. Par contre ça grimpe et ça j'aime pas. Je ne suis pas un grimpeur. Salut les mâches. Ça va? Il est où Bilouk? Est-ce que vous avez vu Bilouk? Non, pas de Bilouk. Bon alors en fait c'est pas par là que je vais passer. Hein. Je vais bien à Limoges mais ça mène à une grosse route. D'où l'importance du repérage dont parle souvent Zerf. Et puis les allergies. Hein. Le mal des urbains. Ça va la glande ? La forêt, l'exploitation du bois, l'élevage et les paysages. Hier j'ai croisé un cycliste plutôt équipé en sportif et j'ai vu un vélo utilitaire, un VAE
un modèle Leaf de chez Giant. Avec des sacoches. Et après enquête, c'est probablement quelqu'un qui travaille à l'école, mais voilà, donc il y a au moins une personne qui se déplace en VAE dans le coin. Aucun stationnement vélo, aucun de chez aucun sur les 8 km entre la gare et Châteauneuf. Alors vous l'entendez, ça mouline. C'est pas des grosses montées, mais c'est une succession de descentes, de montées. À côté de la Loire-Atlantique, c'est la montagne. Enfin, c'est quand ça descend. J'ai plus de facilité à tenir la caméra quand ça descend que quand ça monte. Et je sais que quand ça descend, après, ça va monter. Vous voyez, sur le téléphone, il manque le petit symbole 4G. Donc, j'ai eu la mauvaise surprise ce matin de ne pas avoir de connexion 4G, alors que j'en avais hier soir, au même endroit, au camping. Et donc, j'avais pris la précaution de télécharger le parcours dans Komoot, qui me guide et qui peut fonctionner sans connexion 4G. Et au cas où, j'ai aussi un GPS dans la sacoche avec le parcours téléchargé, si jamais le téléphone est défaillant. J'ai beaucoup de mal à suivre les indications d'un GPS qui manque de précision pour mon esprit. Et je suis plus à l'aise avec un téléphone et un fond de carte sur un téléphone que j'ai relié à une batterie amovible dans la sacoche. Donc je prépare mes itinéraires avec GeoVélo. J'en extrais la trace GPS et puis je la charge dans Komoot qui consomme moins de batterie et que je trouve plus réussi pour être guidé en termes de navigation. Quelque chose qu'on voit beaucoup aussi, ce sont des étangs. J'ai rencontré une dizaine d'étangs là depuis le départ. C'est le moment moins sympa, où j'ai quelques centaines de mètres sur une départementale. Dans ces cas-là, j'attends que ce soit bien dégagé et je pédale le plus vite possible jusqu'à m'extraire de la route. Et vous le voyez là, ça ne devrait pas poser trop de soucis, il y a peu de trafic. Bon ben le truc de cyclotouriste ou de voyageur que vous connaissez tous, c'est le cimetière. Donc dans le cimetière, à défaut d'autre chose, on doit pouvoir trouver un point d'eau pour remplir sa gourde. Donc on boit un coup, et ensuite on remplit sa gourde. Et ben voilà, je crois que j'ai trouvé. Alors ce que ça donne. Alors c'est complètement ouf, parce que je franchis une ligne de niveau à 400 mètres. Incroyable. Je suis en épreuve de montagne. Ça grimpe. Alors comme on arrive à mi-chemin, bah c'est le moment de la pause. Voilà, de préférence en haut d'une montée, pour que ce soit plus agréable, pour repartir.
êtes à 15 km de Limoges. Donc là, on voit que l'urbanisme se modifie avec des lotissements et des maisons modernes. Quand plus près de Châteauneuf, la forêt, bah, c'était des vieilles maisons, des maisons parfois abandonnées. Et là, on voit qu'on arrive vraiment dans l'aire d'attraction de Limoges. La bonne nouvelle, c'est que d'après un agriculteur que j'ai rencontré en route pendant ma pause, ça devrait être moins vallonné et je pourrais me laisser descendre jusqu'à Limoges. Bon, ben voilà le premier élément de signalétique que j'ai rencontré depuis que je suis parti. Un panneau qui indique Fethia, à 7 km. Et puis le panneau partageant la route avec une distance entre le cycliste et la voiture dont on parle souvent sur les réseaux sociaux, puisque vous voyez, on est sur une zone rurale, donc c'est 1m50, ce que ne laisse pas deviner évidemment le panneau. Ah, c'est spécialement pour Siam. Voilà, les images de bras. Les images de bras guidons. Parce que c'est à cause d'elle que je suis en train de faire ces vidéos. J'avais arrêté des vidéos YouTube de mes parcours. Et puis là, de visionner sa dernière vidéo, ben, ça m'a donné envie. On a un îlot foncier là, à vendre avec un étang. Avis aux investisseurs, à la famille Cyclocastor qui veut préparer sa retraite peut-être. Il y a des affaires à faire avec un joli étang. Un classique. La station météo avec le caillou. Lotissement 9. Proximité de Limoges. Ah, donc ça y est, je suis rentré sur le territoire de Limoges Métropole. On le voit aux arrêts de car ici, ou de bus. Mais c'est une constante hein, dans les endroits où j'ai roulé. Il n'y a pas de stationnement vélo. Même scooter, hein, qui est une solution de mobilité en zone rurale, près des arrêts de car. Là, c'est limité à 30, là je vais faire un petit plaisir. Je vais essayer de déclencher le radar, c'est pas bien. Ah, je suis passé à 33. On s'approche d'une aire urbaine avec des panneaux d'aménagement vélo. Donc là, apparemment, il faut que j'aille à gauche. Voilà. Par ici, c'est quand même pas hyper intuitif. Je pense qu'il s'agit d'une bidirectionnelle sur trottoir. Donc je sais pas où vont les piétons. Donc là, fin de piste obligatoire. Et on nous réinjecte sur la route. Enfin, on n'a pas forcément toujours besoin d'aménagement cyclable. Peut-être qu'avec de la signalétique, ça permet de prendre des rues résidentielles, éloignées du trafic de transit. C'est ce que je suis en train de faire grâce à GéoVélo pour éviter cette grosse rue. Un panneau aménagement cyclable conseillé. Mais de quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Ben, je ne sais pas. En fait, je viens de rentrer dans Limoges. Tout à l'heure, c'était Panazol. Voilà. Bienvenue dans la ville. Ça a l'air d'être la marque de fabrique dans ce département que d'annoncer les passages piétons avec des bandes colorées ainsi que des entrées de zones de limitation de vitesse ou de villages. Ah ben enfin un double sens cyclable. Je commençais à désespérer. Apparemment il se passe des trucs à Limoges, hein. Le stationnement dans la rue devient payant. 1er juillet 2022. Bon, feu une signalétique. J'ai l'impression que je suis pas arrivé du bon côté de la gare, moi.